Bonjour à tous, ici Harry Balz pour l'épisode 6 du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. Donc la dernière fois, on a été toujours à affronter, dans le niveau avec le dragon. Donc c'est parti, je recommence directement. Ah tiens, l'image de fond a encore changé, ce n'est plus le bateau, c'est un petit village de Hobbit, je crois. Et je crois même que c'est une image du film. Dites-le moi en commentaire si jamais je me trompe, mais je crois que c'est une image de film, parce que, enfin, vu la qualité déjà. À moins que le jeu ait refait certaines images en très très bonne qualité pour les chargements. En tout cas, je sais pas, ça doit représenter un niveau suivant. Ah, chargement terminé. Donc, bon, j'en étais ici. J'ai mes soldats là et j'ai mes deux héros là. Je vais juste faire un petit truc. J'ai déjà continué le niveau une fois, sauf qu'il y a à cause d'un petit bug d'enregistrement, ben, je dois le refaire. J'avais pas terminé, mais voilà. Du coup, je sais à peu près ce qui va m'attendre. Par exemple, je sais que là, il y a énormément de troupes et que je vais me faire défoncer dans pas très longtemps. Parce que vous voyez qu'ici, là, ils ont une entrée. Donc, je vais envoyer mes soldats pour aider les autres. Et là, ici, je vais faire ça. Alors. Je vais me construire quelques petites tours par là. Où est le site de construction? Toi là, tu sers plus à rien. Attendez, hop. Ah voilà, ça c'est la tour que le château que j'avais fait pour troller le dragon. D'ailleurs, ça marche totalement. Je le troll totalement et c'est tellement énorme. Ah. Là, vous voyez, il y a les araignées qui arrivent par ici. Restez. Et c'est comme ça que je me suis fait défoncer la première fois. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire quelque chose de pas mal. Là, vous pouvez voir que je troll le dragon comme un malade. Oh putain! Ils m'ont retué un bâtisseur. Ah. Bon, je m'en sors déjà mieux. Sont passés où les troupes que j'ai envoyées? Là. Ce sera pas long. Il faut y aller. Je vais envoyer Glorfindel sur son petit cheval. Attaquez les forces des ténèbres. Bon, ça va, mes troupes ont su gérer la chose. Même s'ils m'ont détruit un bâtisseur, c'est acceptable. Donc normalement ce bâtisseur va bientôt terminer sa structure et je pourrai en reconstruire un autre par là. Je vais me construire des tours tout autour. L'armée des morts. C'est quoi l'armée des morts? Je suis à vos côtés. Toi, Gloin, tu vas me détruire ce bâtiment. S'il te plaît. Où dois-je? Et là, je vais me reconstruire une mine par ici pour pouvoir retransporter mes troupes assez rapidement. L'ombre doit être. Donc, Glorfindel, tu vas rejoindre. Tu vas aller par là-bas. Normalement, il doit avoir un bâtiment. C'est pour pouvoir être plus efficace et pour pouvoir empêcher l'ennemi de refaire des troupes. Parce que vous voyez que ces araignées là qu'ils envoient. Oh putain de. Voilà, mon bâtisseur il a été fait. Je vais l'envoyer directement dans les mines. Je suis là. Où sont-ils? Et Gimli, tu vas essayer d'aider Glorfindel. Bon, je me débrouille mieux que la partie que j'avais faite juste avant qui n'a pas pu être enregistrée malheureusement. Toi, Glorfindel, tu vas te faire le petit géant des montagnes. Bien sûr, petit, c'est pas vraiment le cas. Alors, je vais me reconstruire une mine par là-bas. Et là, normalement, j'ai tous mes soldats, donc tout va bien. Je vais me recréer des piques par là-bas. Des piquets, si vous voyez, c'est comme ceux qu'affrontent les cavaliers, les piques qui permettent de faire trouver les cavaliers. Mais là, c'est aussi efficace contre les araignées. Soyez prêts à tout. Nous devons rassembler. C'est pour ça que j'en fais, c'est pour pouvoir les arrêter, arrêter les araignées. Le problème, c'est que j'aurais besoin sûrement de troupes contre le dragon. Je suis là. Où sont-ils? Où sont passés mes bâtisseurs? Normalement, j'en ai un qui est dedans là. Voilà. Et là, je me reconstruis du coup mon hall des guerriers. Je vais me construire mon hall des guerriers. Bah, qui va me permettre de créer mes troupes, quoi. Simplement. Nous attendrons. De créer des troupes de proximité. Les phalanges feront régner l'ordre. Ah, les phalanges feront régner l'ordre. Ok, donc eux, je les envoie directement dans la mine. Et mes deux héros. Quelque chose se prépare.
L'ombre doit être. Mes deux héros, je vais les renvoyer par par là-bas. Je sais pas ce qu'il y a par là-bas. Il doit avoir normalement. Je vais essayer de remplir l'objectif secondaire. Donc l'objectif secondaire qui est de éliminer les antres des drakes de feu. Et si j'envoie mes héros, si j'envoie souvent que mes héros, c'est parce qu'ils sont largement plus résistants que les soldats normaux. Par exemple, un drake de feu, s'il crache du feu sur mes soldats partent en courant et ils ont tout cramé. On dit que mes héros, non, mes héros résistent et peuvent le détruire. C'est pour ça que je privilégie l'assaut avec les héros. Soyez discret. Ça m'évite de perdre toutes mes troupes et de perdre tout l'argent que j'ai pu économiser. Donc, comment il s'en sort, ce truc là? Ouais, bon, ça va, le dragon il peut rien contre moi. Et au pire, même s'il détruit le château. Attends, voyons voir ce troll. Voilà, il va essayer de tirer une boule de feu. Un petit. Tu as peur, tu perds. Allez, fuis. En vrai, si on pouvait le tuer, il serait mort depuis longtemps par ici. Je serai votre guide. Alors, qu'est-ce qui se passe par là-bas? J'essaye de faire de découvrir toute la map, sachant que je pourrais terminer le niveau directement là, mais l'épisode serait un peu court comparé aux autres. Du coup, je vais essayer de terminer le niveau en faisant les objectifs secondaires. L'ennemi est là. Est-ce que là, par hasard, il y a quelque chose? Non. Ah merde! Attendez. Oh putain, il y a une armée. Il y a personne qui aide là. Lanceur de hache. Est-ce que mes pics ils sont là? Ok, tout va bien. Ils sont améliorés et tout. Bon, là, ça va gérer. Contre les araignées, c'est les meilleurs, les pics. Ça fait le même effet que contre des chevals. Nous devons rassembler nos forces. Ouais, justement, ils vont s'en occuper. Je préfère quand même avancer dans la mission. Normalement, ça devrait le faire. Et là, en plus, je suis à côté d'un truc de soin qui va me permettre de vite soigner mes troupes. Je les attendais. Oh, ils ne peuvent échapper à un nain. Allez, Gloïn, tu vas faire ton super power. Voler, créature du mal. Bon, allez, Gloïn, s'il te plaît, là. Ah, voler, créature du mal. Mais... soyez prêts à tout. Mais Gloïn, il a un bug. Putain. Allez, voler, créature du mal. Ah, ah. Voler. Mais, Gloïn, putain. Ne les craignez pas. Gloïn, il veut même pas, il me troll, Gloïn. Gloïn ne m'aime pas. Je le hais. Saleté de Gloïn. Il m'a trollé 5 fois de suite. Hein. Bon, d'accord, 5 fois, j'exagère un petit peu, mais. Juste un petit peu. Là, je y a quoi? Connais le chemin. Par là-bas. Mais c'est tant mieux si tu connais le chemin. Attendez, il reste un truc par là-bas que je n'avais point vu. Je vais vous montrer. Pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Soyez discret. Je connais le chemin. Alors. Les voilà. Ah. Ils sont où? Estropiés. Ces araignées. Ces araignées n'empêchent son vrai. Mais vas-y, Gloïn. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il a fait marre ce Gloïn? L'enfinelle, tu auras le temps de tous les faire toute seule. Ma vision s'obscurcit. Je suis désolé si Gloïn il vient pas. Soyez discret. Nous ne devons pas t'aider. Non, je vais pas aller par là-bas. Je vais vous montrer. Je vais aller par là. Ici, nous devons partir. Attendez, Elf, à l'attaque. Je sens que ça va être bientôt la fin pour Glorfindel. Ils attaquent. Je connais cette région. Je rappelle que si mes héros meurent, c'est pas dramatique car je peux les refaire dans ma forteresse. Ça aussi, c'est à ça aussi qu'elle sert. En avant. Je vais voir ce qui se passe par là-bas. C'est pas très prudent d'envoyer mes soldats, mais... En route. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Mes héros sont pris, là. Quelque chose se prépare. Hop. Soyez discret. Je vais aller par là-bas. C'est juste pour découvrir la zone afin de savoir... C'est l'ennemi. Ok, là, normalement, il doit avoir une arme. Il devrait avoir une entre de Drake par là. Le truc c'est que je sais pas, je pense que je vais envoyer mes... Ouais. J'ai peur que mes trucs partent en cramant. Est-ce qu'ils vont réussir à le buter? Ouais non.
Ça sert à rien ce truc là. L'ombre doit être arrêtée. Y'a quelque chose par là? Non. Allez, vas-y. Vous voyez que contre un Drake ou contre autre, des trucs comme ça, je suis à vos côtés. Les troupes sont pas du tout efficaces. Je pense qu'il aura le temps de tout détruire avant de finir la mission. Pour ça que Glowin, je vais essayer de l'envoyer autre part. Genre là. Par ici. Je les affronte. J'ai peur que Glorfindel meure. Bon, l'avantage d'avoir fait mes trucs par ici, mes trucs pour créer des troupes par ici, donc mes rôles et mes archeries par là, c'est que je peux créer des troupes assez rapidement. Gardez siège près de vous. Soyez vaillants. Je ne tiendrai pas longtemps. Aïe. Je suis désolé. Je t'ai envoyé peut-être à ta mort. Tenez bon. On prend son temps, Super Saiyan, tout ira bien. Des envahisseurs. Mais qu'est-ce qu'il fout ce Drake? Mais il me fuit. Nous avons agrandi le hall des guerriers. Il craint le pouvoir du Super Saiyan en fait. Mais reviens. En fait, il est fourbe ce Drake. Il court, puis après il m'attaque. Où sont-ils? Bon, Glowin est arrivé à destination. Pas à destination. Mettons-nous. Je lui avais pas donné de destination. Je n'aimais pas. Éloignez-les de nos bâtiments. Mais oui, ça fera l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Je m'en occupe. Ok, là ça va être la fin, donc je vais laisser Glowin là. L'ombre doit être. Et Glorfindel, donc du coup tu vas me finir ce bâtiment. Plus vite. Continuez. Plus un niveau, mais ça sert à rien. Oui, il y a aussi les coffres forts comme ça qui peuvent vous donner des niveaux. Sauf que mes héros là sont level max. D'ailleurs, je trouve ça un peu con de bloquer le niveau des héros parce que du coup, c'est sûr, avec les gens comme moi, les héros deviendraient badass en moins de 2 secondes. Mais... Attaquez les forces des ténèbres! Il en détruit deux à la fois, quoi. Il est déjà pas mal badass. Hein. Amenez-les ici. Merde. Attendez, il m'en manque un. Voilà. En avant, Asphalot. Je regarde ce qui se passe par ici. Il y a une porte. À cheval. L'ennemi est là. Ces gobelins ont profané nos foyers. Ils le paieront de la sang. Je sais quoi faire. Ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais envoyer Glorfindel. Allez, vite. Et de l'autre, je vais envoyer Glowin. Je suis avec vous. Attendez. Et Glowin, là, tu peux pas passer par là? Ah non, Eo. Ne les craignez pas. Eo, toi, attends. Oh. Voilà, reste là. Soyez. Qu'est-ce qu'il y a par là? Tu peux pas y aller? Merde. Quelque chose bon, se prépare. Je vais envoyer Glorfindel te rejoindre. Ah, tu peux détruire un bâtiment que si t'es pas sur ton cheval. Ils n'iront pas plus loin. C'est comme ça. Ce sont eux, nos ennemis. Du coup, c'est un peu con parce qu'il va passer par là. Attends. D'accord, il traverse le mur. Il est comme ça. Je préfère laisser mes troupes là au cas où. Rentrons là-dedans. Voilà. Mes bâtisseurs, ils sont où? Mes beaux bâtisseurs, ils sont là. Je vais laisser une ou deux tours par là-bas. Tour par là-bas, c'est au cas où. Vous ne souillerez plus rien. Arrête de tout détruire, s'il te plaît. Suivez-moi. Ok, c'est parti, je peux commencer à lancer l'assaut avec mes héros. Et donc je vais envoyer mes troupes en position déjà ici. Si jamais mes héros ont besoin, il y aura toujours mes troupes pour les soutenir. Et vous là, vous allez là-bas parce que j'aime bien la diversité. Vous ne souillerez plus rien. Je suis à mon côté. Mais aussi l'autre il fait rien. Ils ne prendront pas ce terrain. Je suis là. Bah allez, fais ton super pouvoir au moins une fois pour me faire plaisir, s'il te plaît. J'attendais ça. Allez. Oui. Enfin. Tenez bon. Le plaisir du super pouvoir. Je crois qu'il n'y en a plus. À l'attaque. C'est de la belle maçonnerie. Montrez-leur le cimetière. Vous, là, au lieu de faire ça, là, ça ne sert à strictement rien. Vous allez tous. Ah, ben voilà que ça fait plaisir. Des troupes qui m'obéissent, pas comme Glowin. Il m'a jamais obéi. Ne les craignez pas. Merde, il en reste deux. Je vais vous montrer. C'est parti. Faites vite.
Les voilà. Continuons donc. Le dragon est là-bas. Éloignez-les de nos bâtiments. Ok. Nous l'orphelin qui s'est détruit des portes. D'ailleurs, je ne sais absolument pas pourquoi. De quoi? Ils n'ont rien à faire là. Glorfindel donc qui s'est détruit les portes. Donc ça doit être un bug sûrement. Arrêtez cette invasion. Voilà, vous voyez que les béliers sont passés. Gloin il est où là ce... bon, il est en train d'avancer. Alors. Au pire j'aurai toujours Bombadil. Et ici. Tom Bombadil. Je vous avais expliqué au dernier épisode le magicien qui. C'est un magicien assez badass, dans le jeu du moins. Dans les livres, je ne sais pas. Donc c'est parti. Je vais donc j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? C'est le dragon. À l'attaque. Allons-nous. Sa fin est proche. Reste par là. Il est passé où, Glorfindel? Arrête de détruire les murs. Ah, pour une fois que c'est Glowin qui s'est fait tout seul, ça fait plaisir. Aïe. Bonne baguette. Je ne tiendrai pas longtemps. Vous ne souillerez plus rien. Je suis là pour sortir. Allez, faut quelque chose. Je m'y attendais. Oh, pouvez-vous me donner un coup de main? Aïe, je sens qu'ils vont tous crever. Tenez bon. Mettez un terme à tout ça. Je suis à vos côtés. En espérant que je puisse faire quelque chose. Et le dragon, il en est où? Allez, allez. Oui. J'ai pu les soigner à temps. En attendant, je vais détruire leur mine. Je connais cette. S'il n'y a que mes archers qui peuvent faire quelque chose contre... On a de quoi faire. Contre le dragon, donc ben voilà. Hein. Je vais détruire les mines, je vais détruire les trucs. Le mal se répand sur ces terres. Et j'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Bon, j'ai pas pu tout détruire. Regardez ça. Pendant la cinématique de fin, il y a toujours des combats, tu sais. C'est le truc vraiment pas normal, vous voyez. Le dragon de Sauron est vaincu et l'anneau des nains a été retrouvé. Ah. Toutefois, Glorfindel et Glowin sont abasourdis quand leurs nouveaux alliés refusent de participer à la guerre contre Sauron pour retourner exploiter les richesses de leur état. Oh, des connards. Mais c'est vraiment des connards, eux. Déçus, les héros partent pour la cité portuaire elfique des Havres Gris en espérant y recevoir un meilleur accueil des elfes. Ah, cette fois on va voir les elfes. Gens que je préfère par rapport aux nains. Vous voyez que les nains c'est des connards. Non, en vrai. Mais ils savent pour déconner. Il leur semble évident que quelque chose ne tourne pas rond. Ah. Bah, faut dire, on va pas aller dans un endroit dans le jeu si ce n'est pour absolument rien y faire. Donc maintenant qu'on a aidé les nains et qu'ils nous ont pas du tout aidé notre quête, comme des gens très gentils, eh bien on part vers la cité des elfes. Durée de la session 51 minutes. Ah, c'est vrai parce que je l'ai fait en plusieurs épisodes. Ouais. Désolé de vous avoir fait un peu poireauté. Bon, mais voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cette mission vous a plu déjà. J'espère que les épisodes vous plaisent. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi des insultes, des critiques ou tout ce que vous voulez en commentaire. Ça me fera toujours très plaisir. Enfin, à part les insultes, mais voilà, hein, faites comme vous voulez. Sinon, c'est la fin de l'épisode, donc c'était Harry Balz pour vous servir.